Bonjour à tous. Voici un résumé du chapitre Calcul littéral. Alors commençons par un rappel sur les priorités des opérations. La multiplication est prioritaire sur l'addition, c'est-à-dire que dans cette écriture, il faut commencer par faire la multiplication avant l'addition. Donc sous-entendu, il y a une parenthèse autour de la multiplication. Donc on commence par calculer ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça fait 1 plus 6. Donc le résultat final est 7. C'est pour ça également qu'on utilise les calculatrices scientifiques et non pas les calculettes, parce que sur les petites machines, lorsque vous faites 1 plus 2 fois 3, la machine va commencer par faire 1 plus 2, ou 3, et ensuite multiplier par 3. Donc sur certaines machines, on aurait le résultat 9, qui est faux. Donc de façon générale, lorsqu'on a l'écriture A plus BC, donc B fois C, c'est sous-entendu B fois C entre parenthèses. Alors bien entendu, si c'est valable pour la multiplication, c'est également valable pour les divisions, puisqu'on a dit qu'une division, c'est une multiplication. Donc lorsque vous avez 1 plus 2 tiers, c'est sous-entendu 1 plus 2 tiers entre parenthèses. Alors pourquoi les mathématiciens ne mettent pas toujours les parenthèses, alors qu'a priori ce serait plus simple à comprendre? C'est tout simplement parce que ça deviendrait illisible. Ici, on n'a pas de parenthèse, et ici, on a toutes les parenthèses sous-entendues. Donc il vaut mieux apprendre que la multiplication est prioritaire sur l'addition que d'avoir à écrire toutes ces parenthèses. Alors remarquez qu'il est tout de même nécessaire de mettre ces parenthèses dans sa tête en se disant par où commencer ce calcul. Je sais qu'il y a normalement une parenthèse ici, je sais qu'il y a une parenthèse ici, et donc je commence par la parenthèse la plus à l'intérieur, c'est-à-dire ici 1 plus 1,5. Donc ça vous indique par où commencer. Deuxième priorité, ce sont les puissances par rapport aux multiplications. Lorsque vous écrivez 2 fois 3 au carré, il est vraiment important de comprendre que le carré est uniquement sur le 3. Donc cette écriture signifie 2 fois 3 au carré entre parenthèses, c'est-à-dire 2 fois 9 égale à 18, et non pas 2 fois 3, 6 au carré, 36. Ça, le résultat est faux. De façon générale, lorsqu'on a l'écriture AB puissance N, c'est sous-entendu A fois entre parenthèses B puissance N. Donc le N ne va pas du tout sur le A. Donc ne pas confondre AB puissance N et AB entre parenthèses puissance N. Donc ça, c'est une formule qu'on a vue dans le chapitre précédent. C'est A puissance N, B puissance N. Donc ça et ça, ils sont différents. Donc ça, c'est un piège où certains tombent assez régulièrement. C'est lorsque vous voyez moins 3 au carré. Le carré n'est que sur le 3. Donc c'est pareil que moins 1 fois 3 au carré et donc moins 9, qui est négatif. Alors que moins 3 au carré avec les parenthèses, ça veut dire moins 3 fois moins 3. Donc moins par moins, plus, et 3 fois 3, 9. Donc ce terme-là est positif. Donc attention à ne pas aller trop vite avec cette écriture et de dire que ça vaut 9. Alors voyons maintenant ce que signifie le terme développer. Donc développer, c'est transformer une multiplication en somme. Dit autrement, c'est supprimer les parenthèses d'un produit. Donc la formule que vous connaissez certainement, c'est celle-ci. A fois entre parenthèses B plus C. Alors si je reprends la première ligne, développer, c'est transformer une multiplication en somme. Si je regarde l'expression qui est à gauche, j'ai A multiplié par ce terme-là. Donc c'est bien une multiplication. Et si je regarde maintenant le terme qui est à droite, j'ai un produit plus un produit. Donc on vient de dire qu'ici, il y a des parenthèses qui sont sous-entendues. Donc vu de loin, c'est bien une addition. Donc je viens de transformer une multiplication en addition, en somme. Autre vision des choses, c'est supprimer les parenthèses d'un produit. Donc j'ai bien un produit, j'ai des parenthèses et je viens de supprimer les parenthèses du produit. Dans la pratique, on prend le A et on le distribue à chacun des termes de la somme. Donc on fait A fois B, donc le AB, plus, et on recommence A fois C, AC. Conséquence de cette propriété, c'est lorsque vous avez A plus B fois C plus D, c'est-à-dire deux termes multipliés par deux termes, on obtient 2 fois 2 égale 4 termes.
Si vous aviez une somme de 3 termes et ici une somme de 4 termes, 3 fois 4, vous auriez 12 termes. Dans la pratique, on fait la même chose qu'au-dessus, mais deux fois. C'est-à-dire que je prends le A et je vais les distribuer aux deux termes. Donc ça va me faire AC plus, donc c'est le plus qui est là, AD. Et ensuite, on recommence, donc plus, donc c'est celui qui est ici. Et maintenant, c'est le B que je vais distribuer. Donc B fois C, plus, donc c'est le plus qui est ici, B fois D. Géométriquement, c'est facile à comprendre. On imagine un grand rectangle qui est subdivisé en morceaux, avec celui-ci qui a comme longueur A, celui du dessous B, donc en hauteur A plus B, et pour la largeur, j'ai C, D et donc C plus D. La question, c'est quelle est la superficie de ce rectangle? Elle vaut à la fois largeur fois longueur, c'est-à-dire A plus B fois C plus D, mais elle vaut aussi l'aire du rectangle qui est ici, donc qui est AC, plus l'aire du rectangle qui est ici, AD, plus celui-ci, BC, plus celui-ci, BD. Donc exemple de base, x plus 2 par y moins 3, ça va donner cette écriture-là. Donc on a pris le x, on l'a multiplié par le y, ça donne x fois y. Le x multiplié par moins 3, donc je vous rappelle la règle des signes, ici il y a un plus multiplié par un moins, donc ça fait bien un moins. Ensuite, je ne m'occupe plus des signes et je fais x fois 3, donc 3x. Maintenant, je repars du 2, donc plus fois plus, ça fait bien un plus, et 2y, ça fait donc le 2y qui est là. Et le dernier, plus par moins, moins, et 2 fois 3, 6. N'hésitez pas à rajouter ces petites flèches sur votre copie tant que vous n'êtes pas à l'aise avec les développements. Donc les cas importants vont être les identités remarquables. Donc la première, c'est a plus b au carré, c'est-à-dire a plus b fois a plus b. Donc vous développez les quatre termes et vous obtiendrez a carré plus ab et encore ab. Donc vous aurez un 2ab plus b au carré. Deuxième identité remarquable avec un moins. À nouveau, vous développez les quatre termes. Vous trouverez a carré moins 2ab plus b au carré. Et la dernière, c'est une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'on prend a plus b et en même temps a moins b. Donc si on développe, vous trouverez a carré. Vous aurez un ab et un moins ab qui vont s'éliminer. Et le dernier terme, moins b au carré. Donc ces identités remarquables sont sur le formulaire pendant les examens. Alors pourquoi elles s'appellent identités remarquables? C'est parce qu'il faut les remarquer. Donc quand vous avez une expression, de vous dire ça ressemble à une identité remarquable. Alors attention, lorsque vous avez une expression, par exemple ici, 2x moins 3 au carré, le a c'est 2x, et ici le b c'est 3. Donc on est de la forme a moins b au carré. Donc la formule c'est a carré. Donc a carré, il ne faut surtout pas écrire 2x au carré. Ça c'est faux. Pourquoi? Parce que le carré ne serait que sur le x, alors que là c'est tout le a qui est au carré. Donc les parenthèses sont obligatoires. Bien entendu, vous pouvez écrire tout de suite 4x2 si vous voulez, mais sinon vous écrivez tranquillement 2x entre parenthèses au carré moins le double produit, donc 2 fois le a fois le b. Donc le a, à nouveau, je suis prudent, je mets une parenthèse, multiplié par le b qui vaut 3, plus le b au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Et on obtient l'expression qui est là. Donc dans les exercices, on a a plus b au cube. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer que ce n'est pas a au cube plus b au cube. On voit déjà que ce n'est pas vrai pour a plus b au carré, ce n'est pas simplement a carré plus b carré, mais il y a ce terme qui apparaît. Donc ça sera pareil avec les cubes, il y aura d'autres termes. Donc l'idée c'est de partir de a plus b au carré, multiplié encore par a plus b. Donc celui-ci c'est une identité remarquable, donc vous allez pouvoir écrire a carré plus 2ab plus b2, et ensuite vous remultipliez par a plus b. Donc les coefficients qui apparaissent, c'est ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc vous avez la version chinoise sur le PDF.
Donc la ligne qui est là, c'est a plus b puissance 1. Donc puissance 1, c'est simplement a plus b, c'est-à-dire 1a plus 1b. Vous voyez le 1 qui est là et le 1 qui est là. La ligne du dessous, c'est a plus b au carré. Donc a carré plus 2ab plus b2. Donc les coefficients, on a un 1, ici on voit apparaître un 2 et ici un 1. Donc le 1, 2, 1. Lorsque vous aurez cherché a plus b au cube, vous verrez qu'on obtient cette expression-là, avec des a au cube, a au carré, a et plus de a. Et inversement, pour les b, il n'y a pas de b, ensuite b puissance 1, b puissance 2, b puissance 3. Donc on voit les puissances de a diminuent et les puissances de b augmentent, avec des coefficients qui apparaissent, 1, 3, 3, 1, les coefficients que vous retrouvez ici. Comme exercice, vous pouvez essayer de deviner l'écriture de a plus b puissance 4 en utilisant la même logique que les lignes précédentes. Donc je vous donne le début, a puissance 4, je vous donne la fin, b puissance 4, j'imagine que vous l'aviez deviné, et je vous donne le premier terme qui va donc être un 4. La puissance de A va diminuer, elle était à 3, 2, 1, et bien ici, donc elle va être à 3. Et les B, donc ça va augmenter, il n'y en a pas, il y en a puissance 1, puissance 2, donc il n'y en a pas, je mets puissance 1, et il manque ici encore ces deux termes-là que vous écrirez, je pense, facilement. Vous pouvez maintenant regarder l'exercice 1.2.1, développer et réduire les expressions suivantes.